Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue à Dortmund pour la suite de cette Coupe du Monde 1974. Le premier match de ce groupe avait déjà été joué, le Brésil s'était incliné face à la Yougoslavie. Et donc on a le droit à deuxième rencontre de ce groupe. Et c'est l'Écosse qui va faire face à un petit nouveau dans la compétition internationale. Il s'agit du Zaïre, première équipe africaine subsaharienne à faire ses débuts en Coupe du Monde. Alors cette équipe de Zaïre a gagné la Coupe d'Afrique cette année. Et donc on va voir ce que cette équipe a dans le ventre, tout simplement. Alors le stade est à trois quarts plein, il y a une très très belle ambiance cet après-midi. En plus les conditions sont très très bonnes pour jouer au football. Alors le terrain est un petit peu trempé, mais je pense qu'il n'y aura aucun problème pour jouer du bon football. Voilà, et le match débute à l'instant avec l'engagement des Écossais. Alors en Écosse qui a un très beau coup à jouer hein, ce soir face à cette équipe zaïroise. Et c'est les Écossais qui perdent vite le ballon avec Kembo. Ouais, Kembo il est face à trois joueurs. Kembo pour Mana, la frappe. Ouais, première frappe des Zaïrois. Mais une frappe beaucoup trop enlevée. Voilà, c'est une première demi-occasion pour cette équipe zaïroise. Attention, c'est repris avec Jordan Dalgish. Dalgish s'est perdu, c'est Kembo qui récupère maintenant. Allez, Kembo pour Ndiaye. Ouais, il perd le ballon vite, Ndiaye. Hey, qui a le ballon maintenant pour Dalgish. Allez, peut-être une première occasion pour les Écossais avec Dalgish face à un défenseur. Il va y avoir le premier corner de cette rencontre. Et c'est Dalgish qui va pouvoir le tirer. Ouais, personne à la récupération malheureusement. La reprise de volée n'a strictement rien donné. Ça passe complètement au-dessus et les Zaïrois vont pouvoir se dégager. Lobilo, Kembo pour Ndiaye sur l'aile. Ndiaye ouais, qui perd le ballon rapidement, ça fait deux fois. Morgan qui récupère, il le perd aussi. Kembo pour Ndiaye, allez, nouvelle fois pour Kazu. Kidoumou, pardon, qui va centrer. Allez, peut-être la première occasion. Une grosse occasion pour le Zaïre, mais malheureusement, n'arrive pas à trouver le but. Et une nouvelle fois, le ballon qui passe complètement au-dessus. Voilà, bon, le Zaïre qui est déjà installé, qui a pour deux fois frappé. Malheureusement, ce n'est pas cadré. Kembo. Kidoumou qui perd le ballon. C'est récupéré ouais, par les Écossais avec Bouchan pour Jordan, mais le ballon va sortir en touche. Ah, ouais, comme je disais tout à l'heure, il y a une bonne occasion là pour les Écossais de prendre 3 points. Et après, il va falloir essayer de jouer contre le Brésil. Le Brésil qui avait perdu le premier match. Alors pourquoi pas battre le Brésil ou faire un bon match nul face à cette équipe du Brésil qui, je pense, pour le moment est dans le doute. Voilà, ils n'ont pas fait un match formidable. Ils sont tombés contre une très belle équipe yougoslave. Alors pourquoi ne pas déjà cet après-midi prendre 3 points et pour et contre le Brésil et bah, essayer de prendre minimum un point qui pourrait permettre de passer pourquoi pas au second tour. Dalgish qui a le ballon maintenant. Toujours lui. Il est personne vers lui. Lobilo qui peut dégager mais il dégage pas loin. C'est récupéré tout de suite par les Écossais. Attention à la faute là. Ouais, il va y avoir le premier carton je pense. L'arbitre qui appelle le joueur. Non, ce sera juste un avertissement verbal. Et coup franc pour Bouchan. Ouais, c'est mal joué par contre le coup franc. Kembo qui ne peut pas récupérer. Allez, on essaye de dégager au loin, mais c'est vite récupéré par un Écossais. Allez, Kakoko, bien joué. Qui récupère le ballon. Ouais, mais il le perd rapidement. On a l'impression que les Zaïrois n'ont pas beaucoup d'agilité. Ils perdent vite le ballon et dès qu'ils sont en coude à coude avec les Écossais, ils perdent vite le ballon, c'est dommage. Mais pour le moment, l'équipe zaïroise qui s'accroche.
Bouchan, Lorimer qui touche un de ses premiers ballons. Morgan, il repasse en arrière, mais c'est récupéré par Kakoko. Allez, Kakoko qui lance. Ouais, c'est bien joué. Kidoumou, allez, Kidoumou dans la surface, il va frapper une nouvelle fois. Il est contré, ça va être un corner. Le premier pour le Zaïre. Allez, le corner est tiré. Personne à la récupération, malheureusement. Attention, peut-être la contre-attaque là des joueurs écossais. Dalglish pour Morgan. Mais il est tout seul. Morgan, attention, il passe un joueur. C'est bien joué. Il va passer deux joueurs. Une nouvelle fois la faute. Et là, l'arbitre, je pense qu'il va sévir. Et il appelle le joueur. Et cette fois, voilà. Il ne va pas y échapper. Le carton jaune pour le Bilo. Ah, c'est pas non plus un attentat, mais voilà, il faut sévir. Il a donné une première avertissement. Attention à la frappe directe. Ouais, c'est bien joué. Et Kazadi qui peut récupérer ce ballon. Kakoko qui a perdu ce ballon. C'est récupéré par Holton. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, Holton, pour le moment. Attention, Holton, il passe aux trois joueurs. C'est bien joué, parce que Holton, il va sûrement se centrer. Ça va être contré, ça ne sort pas. Ouais, la passe, il ne donne rien pour le moment. Dalglish qui récupère. Allez, Dalglish pour Holton, le centre. Ouais, bien joué Morgan, mais malheureusement, il était un petit peu trop déstabilisé pour pouvoir faire une bonne tête. Allez, Kembo pour Mana. Mana au milieu de terrain. Mana qui lance Kakoko. Ouais, il a voulu faire une passe en profondeur, mais ça n'a pas marché. Morgan. Morgan, il est face à deux défenseurs. Morgan, ouais, oh la faute, encore une fois, l'arbitre ne dit rien, il y a peut-être un coup à jouer, ouais, le centre. Attention là, je pense que. Ouais, carton jaune, ouais, ouais, pour Mouépou. Là, il n'y a pas scandale non plus, hein. Là, je pense que la faute était même beaucoup plus dangereuse que le premier carton jaune. Heureusement, Morgan qui a l'air de se lever sans trop de problèmes. Allez, il y a un bon coup franc à jouer là pour la part. Des Écossais. Ah non, il est pas revenu au coup franc, excusez-moi. Oui, il y a touche. Je pense qu'il est revenu au coup franc. Autant pour moi. Attention, le centre tir, c'est récupéré. Jordan qui a tenté une reprise de volée, mais ça a été contré. Pour le moment, les joueurs Zaïrois s'en sortent pas trop mal. Kidounou, ah, c'est perdu une nouvelle fois. Ah, attention, Ngaï, allez, contre-attaque. Ah, les passes sont pas assez précises de la part des Zaïrois, c'est dommage. Jordan qui lance Morgan, ça récupère un Mouépou. C'est le Rimmer maintenant qui a le ballon. Il est face à deux joueurs. Attention, le Rimmer, la frappe et le but. Voilà l'ouverture du score des Écossais. On savait qu'à un moment ou à l'autre, ça allait rentrer. Et c'est bien joué, le Rimmer qui marque le premier but de cette équipe écossaise en Coupe du Monde. Et c'est un très joli but en plus. Belle contre-attaque, il était face à deux défenseurs, il a frappé au moment où le gardien arrivait vers lui. C'est un très beau geste d'attaquant, voilà. Et voilà l'Écosse qui mène 1-0 face à cette équipe zaïroise. Allez, c'est même un grand pont sur le défenseur zaïrois. C'est superbement joué de la part de Lorimer et donc il permet à son équipe de mener 1-0. À 10 minutes de la mi-temps. Allez, on va essayer de voir s'il y a une réaction du côté zaïroise. Mana, oh, il perd le ballon, il n'y a pas faute. Par contre, Lorimer, il perd le ballon. C'est marqué, c'est repris par Bouanga, mais qui perd le ballon aussi. Décidément, la part des zaïrois, il y a beaucoup de pertes de ballon. Allez, on reprend avec Jordan. Encore Jordan. Bremer. Allez, Bremer, il frappe. La frappe pas assez forte, malheureusement. Allez, on envoie le ballon loin. C'est repris par les défenseurs écossais. Ça va pas très loin, le ballon des Aérois. Malheureusement, ils se contentent de dégager au loin. La frappe, c'est détourné. Attention de Jordan pour la reprise. Oh, pas juste à côté. Dommage, c'était bien joué. C'était pas mal joué, hein. C'est dommage, manque de précision, car là le gardien était battu. Et on se dégage du côté des Aérois pour le moment. Mais les Aérois qui ont baissé d'un cran.
Ils ont pris ce but-là. Maintenant, je pense qu'ils vont contenter de défendre. On va peut-être me faire mentir là avec Kembo. Le centre de Kembo. Ouais, personne à la récupération. Peut-être une deuxième chance avec Mana. Kilassou, la frappe de Kilassou. Ah, c'est complètement loupé, c'est dommage. Bon, on pourra dire que cette équipe du Zaïr a eu, allez, trois occasions en première période, mais c'est trop peu pour le moment. Il n'y a pas assez de précision dans les frappes. Allez, nous sommes à une minute de la mi-temps d'Aldish. Il va y avoir une touche. Il a demandé de siffler une faute, mais il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Le centre, la tête et le but, Lorimer, deuxième fois. Le doublé. Et l'Écosse, voilà, qui mène 2 buts à 0. Et tout ça, juste avant la mi-temps, ce but, qui va permettre de mettre en doute cette équipe du Zaïr. Il peut strictement rien faire, le gardien. Et vraiment un superbe centre, millimétré sur la tête de Lorimer. Il a juste à placer ce ballon. C'est parfaitement joué, voilà, cette équipe d'Écosse, bah, qui pour le moment débute parfaitement cette Coupe du Monde. Et qui à l'heure actuelle serait première de ce groupe. Pour le moment, bien sûr, c'est pas encore fait. Mais encore la deuxième période à jouer. Il peut y avoir d'autres buts, bien sûr. Allez, le ballon n'est pas sorti. Les Écossais qui font tourner le ballon. McGrain, Hey. Hey toujours. Oh, il va tout seul. Hey pour Dalglish. Il préfère passer pour Holton. Allez, un nouveau centre. La tête, ça passe au-dessus malheureusement. Et c'est la mi-temps. Voilà, sur ce score de 2 buts à 0 en faveur des Écossais. Pour le moment, c'est une première mi-temps assez tranquille. Le Zaïr n'a malheureusement pas eu beaucoup d'occasions. Et a beaucoup manqué de précision cette première période. Voilà, je vous laisse regarder les meilleurs moments de cette première période. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période. À tout à l'heure. On est de retour à Dortmund, c'est l'Écosse qui mène 2 buts à 0. Première période parfaitement maîtrisée par les Écossais. On attend beaucoup mieux de cette équipe zaïroise qui pour le moment a beaucoup prêché dans la précision. Mais il y a la deuxième période maintenant, on va voir si cette équipe zaïroise a des moyens de faire une meilleure période, de plus se coordonner dans les passes aussi. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Allez, c'est Lorimer, c'est le ballon, le double buteur, Lorimer, il ne lâche pas son ballon pour le moment, il le passe maintenant pour Bremen, c'est bien joué, Bouchan qui va pouvoir centrer, la tête, ça passe au-dessus, dommage. Allez, on se dégage là du côté des Zaïrois. Bouanga, c'est récupéré par Kidumu, il n'y a pas de changement du côté, des deux côtés, hein. Il n'y a pas de changement pour le moment. Kilassou pour Kidumu, le centre. Ah, Ndiaye qui ne peut pas reprendre. Ah, malheureusement, ça ne donne rien. Holton pour Jardine. Oh, il perd le ballon de Jardine. Non, il arrive à le récupérer. C'est dommage pour la part des Aérois. Il aurait pu y avoir une nouvelle occasion. Lorimer qui va récupérer, il lance Morgan, ouais, ils ont tenté une 1-2, ça n'a pas marché, ils ne sont pas entendus correctement. Ndiaye pour Kidumu, non il perd le ballon Kidumu, Jordan, on joue en passe là du côté des Écossais pour le moment. Mais on arrive à perdre le ballon quand même. Kembo,
Il aura beaucoup touché de ballon, Kembo. Et il le perd une nouvelle fois. Morgan. Pour le Rimmer. Ah, il préfère repasser en arrière. Il n'y avait pas trop de solutions. Jordan. Ah, il ne peut pas passer. Il avait deux défenseurs. Mais l'arbitre qui va signaler quand même une faute. Attention, moi, au Bremen qui est tenté. Attention, peut-être son troisième but. Ça passe juste à côté. Le Rimmer qui était à deux doigts d'inscrire un triplé. Oh, il passe vraiment pas loin ce ballon. Un triplé pour commencer, ce serait ça aurait été merveilleux pour le Rimmer. Allez, Morgan. Là, je pense que les Écossais sont complètement libérés. Ils ont fait le plus dur. Il fallait marquer, ils l'ont fait. Et maintenant, il va falloir regarder ce résultat et pourquoi pas marquer un troisième. Il y a possibilité de le faire. Holton, Dalglish, Bremer pour Jardine. Joue en passe là du côté des Écossais pour le moment. Hey pour Bremer. C'est récupéré par Dalglish. Il est face à. Allez, deux défenseurs. Le centre. Ça passe à côté encore une fois. Il y avait le manque de précision aussi. Et c'est plus haut que le défenseur zaïrois, Morgan. Allez, la touche. Avec Pilassou, ouais, il est face à Jordan. Ça marche pas, ça marche toujours pas. Il va falloir changer de tactique, je pense, pour les Aérois. Parce que pour le moment, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, on se demande comment cette équipe peut revenir dans le match. C'est très compliqué. Et d'un moment ou un autre, on a l'impression que les Écossais peuvent marquer un troisième but. Kakoko qui dégage au loin. C'est repris par les Écossais. Dalglish, Jardine, Bremen, McGay, Jordan, c'était McBrain, pardon. Et faute, une nouvelle faute. En petit jeu, et c'est un nouveau coup franc. Jordan qui va le tirer. Ouais, c'était. Je pense qu'il voulait la passer, mais le gardien n'a pas été surpris, heureusement. On joue tranquille du côté des Écossais. Ouh, la faute, peut-être le carton cette fois pour le joueur écossais. Non, heureusement, pas de problème. Le bilot. Kidassou. Ouais, Kidassou qui a failli tomber. Allez, Kidassou peut-être. Ouais. Et peut-être quelque chose, monsieur l'arbitre. Il a été retenu le joueur. Et là, il va signaler une faute ouais, pour les Aérois. Mana le frappe peut-être pour Kakoko qui ne peut pas récupérer. C'est dommage, je pense que cette équipe zaïroise a des ressources pour faire quelque chose. Malheureusement, ben, pour le moment ça ne marche pas. Attention Morgan, oh heureusement Bouanga, heureusement la belle défense de Bouanga, parce que sinon Morgan était tout seul et ça aurait pu faire mal. Et encore une vingtaine de minutes à jouer. Toujours 2-0 pour les Écossais qui pour le moment bah, ils jouent tranquillement cette seconde période. Ils n'ont pas trop à s'inquiéter. Jardine. McGrain. Hey. Ouais, il perd le ballon. Hey. Ouais, mais. Ça ne marche pas. Kakoko, il perd ce ballon aussi. Les Aérois qui ne tiennent pas plus de 5 secondes avec un ballon. C'est dommage. Hey. Hey. Allez, dans la surface. Peut-être le centre. Hey. Ouais, personne n'a la récupération. Tout le monde est allé trop vite. Ouais, peut-être une nouvelle chance. Non, Mana qui perd le ballon. Holton, pardon, qui perd le ballon. Et un changement. Kabasu qui. C'est Ngai qui sort et c'est Kabasu qui rentre. Un peu de changement. On fait rentrer un nouveau défenseur. Voilà. Cette fois, c'est fait. Le Zaïre qui va jouer avec un nouveau défenseur. Ça va être une tactique, je pense, en 5-4-1. Donc une tactique qui ne permet pas forcément de marquer des buts. Ah voilà, ça marche pas les 1-2.
Vraiment l'Écosse qui joue un match finalement tranquille. Il y a eu quelques frayeurs en première période. Mais finalement, cette seconde période se passe parfaitement. Bon, il y a quelques imprécisions, mais voilà, attention le gardien qui loupe le ballon. C'est même un corner pour les joueurs écossais. Allez, le centre. Oh, la barre transversale. Oh, le Rimmer qui a failli encore une fois marquer son troisième but. Oh, on en était pas loin. Ah, les Ayrois, on a l'impression qu'ils y sont plus. Ils tentent, les Ayrois, mais malheureusement, ça ne marche pas. Bremer pour Morgan, une balle longue. On remet pour le Rimmer, ouais, là, cette fois il fait un petit peu n'importe quoi le Rimmer. Il a repris le ballon un petit peu comme elle venait, mais ça m'a rien donné. Et pour le moment, il n'y a toujours pas de changement du côté des Écossais. Il faut dire que, comme je le disais, hein, cette seconde période est plutôt tranquille. Kidoumou pour Kidassou, Kidoumou le centre, ah, personne à la récupération, c'est dommage. Orson. Pour Morgan, il peut pas récupérer, s'il va le récupérer ce ballon. Allez, on va faire tourner le ballon, je pense. Il reste 3-4 minutes avant la fin du match. Mouepou, Kidassou, il tente de remettre le ballon, mais c'est récupéré par le Rimmer. Attention, non, peut-être une contre-attaque. Qu'est dit l'arbitre, coup franc. Allez. Cabasso qui va tirer le coup franc. Oh, c'est très très mal tiré, c'est détourné, ça va être une touche pour les Ayrois. Alors les Ayrois qui rencontreront, attention, c'était pas mal joué, et le ballon qui ne rentre pas, c'était un centre tir qui était bien joué. Les Ayrois qui vont rencontrer lors de la prochaine journée la Yougoslavie, ça va être une autre paire de manches aussi. C'est vraiment les Ayrois qui sont tombés dans un groupe assez difficile quand même. Hein. Ça va être compliqué pour cette équipe du Zaïre, surtout si elle joue comme ça, de prétendre un deuxième tour. Mais pour le moment, ils n'ont pas non plus été ridicules. Allez, il reste une poignée de secondes et l'arbitre va peut-être signaler la fin du match. Peut-être une dernière occasion pour les Ayrois. Non, c'est récupéré par les Écossais avec le Rimmer. Le Rimmer qui lance Morgan. Allez, peut-être pour le troisième but. Morgan, oh, elle a poussé son ballon trop loin. Ah, c'est dommage. Allez, on dégage et c'est la fin du match. Voilà, sur ce score de 2-0 en faveur des Écossais. Et donc l'Écosse qui est première de ce groupe. Pour le moment, je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve très vite sur la Coupe du Monde 1974 que je développe avec Retour 80. Salut à tous.